So welcome to the first session of BTA. I apologize that I speak in English, but my French is not that good. So my name is Dimitris Kodzinos. I'm at the University of Cergy Pontoise. And the first session would be dedicated to languages for the semantic web. The first one would be FOURL. A fuzzy extension for the SparkQL language. And you have the floor. Be careful with the time, 20 minutes. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Olfa Slema, je suis doctorante au sein du laboratoire IRISA de l'Université de Rennes 1. Donc, sous la supervision de Olivier Pivert et Virginie Tian. Aujourd'hui, je vais parler de notre travail qui consiste en une extension floue du langage Sparkle qui est dédiée pour interroger des données RDF. Donc, cette extension s'appelle FURCL. Donc, notre intention principale dans ce travail est de rendre Sparkle plus souple et plus flexible et d'être en mesure d'exprimer ce type de requête qui vise à récupérer les artistes qui ont recommandé des albums mal notés écrits par des amis proches. Donc, bien sûr, cette requête ne peut pas être exprimée dans la version classique de Sparkle et aussi dans les autres extensions précédentes de Sparkle. Si, par exemple, nous revenons à la littérature, donc nous pouvons trouver deux types de catégories. Donc, la première catégorie étant Sparkle avec des capacités de navigation booléenne. Donc, ici, on peut trouver Sparkle 1.1, and Sparkle, etc. Donc, la deuxième catégorie étant Sparkle avec des capacités d'interrogation floue. Donc, ici, sur les valeurs d'attributs d'une uniquement. Donc, ici, on peut trouver le langage de requête F-Sparkle. Cependant, on ne peut pas trouver les deux catégories en même temps. Et aussi, il n'existe aucun travail dans la littérature qui applique l'interrogation floue sur la structure de graphe. Donc, pour faire face à cela, d'où notre motivation qui est de proposer notre extension du langage Sparkle de requête pour tout d'abord interroger un modèle RDF flou contenant des informations graduelles pour mieux modéliser des concepts du monde réel, parce que dans le monde réel, on peut trouver des relations graduelles entre les entités. Et aussi, cette extension permet d'exprimer des requêtes à préférence floue pour, premièrement, être plus fidèle à l'intention de l'utilisateur. Aussi, l'introduction de préférences floues fournit une base pour classer les réponses obtenues. Et ceci est très important dans le cas où il y a un grand volume de réponses retournées par la requête. Troisièmement, une requête classique peut avoir un ensemble de réponses vides, alors qu'une version relaxée de cette requête peut être appariée par certains éléments. Donc, je vais présenter quelques concepts de base. Donc, je commence par le modèle RDF. Donc, nos données sont représentées dans le modèle RDF, qui est le modèle le plus utilisé pour représenter des données liées sur le web. Donc, chaque morceau de connaissance est décomposé en un triplé, qui est composé par un sujet, un prédicat et un objet. Le sujet indique la ressource décrite. Le prédicat, il fait référence à la propriété de la ressource et l'objet indique la valeur de la propriété. Donc ici, par exemple, prenons un exemple d'un triplé RDF. Donc on a Maria Creator Bellafly. Donc on peut dire que ce triplé, donc Maria a Bellafly comme propriété créateur et qui peut être aussi interprété sous la forme de Maria est un créateur de Bellafly. Donc le modèle RDF classique supporte uniquement des relations booléennes, vrai pour un degré égal à 1 et faux pour un degré égal à 0. Donc prenons un exemple d'une relation boolienne. Donc on a Beyoncé est un ami de Shakira avec un degré égal à 1. Donc cependant le modèle RDF flou supporte en plus des relations graduelles. Par exemple si deux personnes sont amies, donc elles peuvent être des amis proches, des meilleurs amis, des amis ordinaires, etc.
Aussi, si on recommande un album, on peut faiblement ou fortement recommander un album. Prenons ici un exemple d'un triple RDF Lou. Donc, on a Beyoncé est un ami avec Shakira avec un degré égal à 0,8. Donc ici, on peut dire que Beyoncé considère Shakira comme un ami proche. Donc, le graphe RDF Flow est un ensemble fini de triplets avec une fonction d'appartenance sur les triplets. Donc, cette fonction fournit un degré entre 0 et 1 et elle qualifie l'intensité de la relation entre les dans le triplet. Donc, prenons ici un exemple d'un RDF Flow qui est inspiré par les bases de données de MusicBrainz. Donc, ce graphe contient principalement des albums, des artistes et leurs albums. Les valeurs, l'hétéro, concernent la valeur d'un album. Et donc, ce graphe contient deux types de relations, des relations booliennes comme par exemple créateur et note, et de relations floues comme recommande et ami. Donc, pour créer ce graphe, on peut partir d'un sous-graphe de MusicBrainz non flou, c'est-à-dire où les relations sont booliennes, et on peut créer ce graphe flou en attachant des arcs, des degrés à certains arcs. Donc ces degrés peuvent être donnés ou calculés. Donc ici, par exemple, le degré associé à Malia est un ami avec Beyoncé avec un degré égal à 0,4. Donc ce degré est le nombre de leurs amis en commun sur le nombre total des amis de Maria. Donc, pour interroger ces données RDF, nous utilisons le langage Sparkle, qui est le langage standard recommandé par le W3C et qui est basé sur la reconnaissance du patron de graphe. Donc, un patron de graphe classique est un ensemble de triplets contenant des variables et chaque variable commence par un point d'interrogation. Donc ici, on a un exemple de patron de graphe qui contient deux triplets. Le premier triplet contient une variable, un URI et une variable. Le deuxième contient une variable, un URI et un littéral. Donc la représentation graphique de ce patron de graphe est comme suit. Donc on a artiste, créateur, album, album, note 6. Donc dans Sparkle, on peut trouver aussi des patrons de graphes plus complexes, par exemple des patrons de graphes alternatifs avec la clause union, des patrons de graphes optionnels avec la clause optional et des patrons de graphes avec un filtre avec la clause filtre. Donc, la requête précédente du premier slide qui vise à récupérer les artistes qui ont recommandé des albums mal notés et criés par des amis proches peut être partiellement s'exprimer en Sparkle 1.1, donc comme suit, et qui vise à récupérer les artistes, donc les artistes, ici on a artistes dans Select, qui ont recommandé un album, cet album qui a une note inférieure à 4, et cet album est créé par un artiste 2 qui est un ami ou un ami ou un ami de son ami. Donc on peut remarquer que cette requête n'est pas la même que la précédente. C'est tout à fait simple parce qu'une requête Sparkle classique ne peut contenir que des conditions booliennes et que des expressions régulières booliennes. Donc, pour faire face à cela, nous avons proposé une version plus flexible de Sparkle pour exprimer des requêtes floues à préférence portant sur un graphe RDF flou, sachant qu'un graphe RDF est... Donc, c'est un cas particulier d'un graphe flou où les degrés sont tous égaux à 1. Donc, ici, on a voulu exprimer des préférences non uniquement sur les valeurs des nœuds, mais aussi sur la structure de graphe. Donc, nous pouvons exprimer des préférences sur les valeurs de nœuds en utilisant des conditions floues, comme par exemple ici, la note est médiocre. Avec médiocre, c'est un terme flou qui peut être représenté par la théorie des ensembles flous. Donc, par exemple, le terme flou médiocre peut être représenté comme suit. Donc, si la note elle est entre 0 et 2, le degré est égal à 1. Donc, si la note elle est entre 2 et 8, le degré est
est calculé suivant une fonction décroissante, et si la note est supérieure à 8 ou égale à 8, donc le degré de satisfaction est égal à 0. Donc maintenant, pour exprimer ces préférences sur la structure de graphe, nous utilisons les expressions régulières floues, qui sont une extension de la notion classique, en ajoutant une condition, cette condition. Donc cette condition, elle vise à obtenir des chemins satisfaisant le patron F avec une condition floue. Par exemple, si la distance d'un certain patron F doit être courte. Donc, dans ce papier, nous avons limité les propriétés structurelles floues à la force et la distance entre deux nœuds. Donc, où la force est le poids de l'arc le plus faible du chemin et la distance est la longueur du chemin le plus court entre deux nœuds. Donc pour ce faire, nous avons proposé une redéfinition formelle de la syntaxe et la sémantique du patron de graphe Sparkle qui ont été introduits dans les travaux de Perez et autres, et qui ont présenté la notion du patron de graphe Sparkle dans un formalisme algébrique plus traditionnel que la syntaxe officielle l'a fait. Donc nous avons proposé une extension du patron de graphe Sparkle en patron flou de graphe. Ce patron flou de graphe permet d'exprimer des préférences floues dans Sparkle sur les valeurs des nœuds et sur la structure de graphe. Donc ici, je vais parler juste de la syntaxe d'un patron flou de graphe. Si vous voulez en savoir plus sur la sémantique, vous pouvez consulter notre papier. Donc, un patron flou de graphe est un triplet flou où le sujet peut être un URI ou une variable. Le prédicat peut être un URI, une expression régulière floue ou une variable. Et l'objet peut être un URI, un littéral ou une variable. Donc, si P1 et P2 sont des patrons de graphe flou, donc P1 et P2, P1 union P2, P1 optional P2 et P1 filter C sont aussi des patrons flous de graphe. Avec C, c'est une condition floue qui est une combinaison logique des termes flous qui peut être de la forme suivante, donc bound variable x, la variable x theta C et variable x theta variable y, avec theta un comparateur flou ou non, ou classique. Donc ici, la condition floue peut être de la forme suivante. La variable x is un terme flou, comme par exemple age is jeune. Et aussi, non C1 et C1, C2, séparés par des connecteurs flous, sont aussi des conditions floues. Donc, nous avons proposé une extension floue du langage Sparkle. Cette extension s'appelle Furkle et elle étend syntaxiquement Sparkle en permettant l'occurrence de patrons flous de graphe dans la closeware. Ici, on va jouer sur la structure de graphe et l'occurrence de conditions floues dans la close filter. Ici, on va jouer sur les valeurs des nœuds. Donc, maintenant, finalement, la requête du premier slide peut être exprimée en Furkle. Donc, cette requête qui vise à récupérer les artistes qui ont recommandé des albums mal notés et criés par des amis proches. Donc, ici, dans le select, on veut récupérer des artistes. Donc, ces artistes qui ont recommandé, donc artiste, il a recommandé un album. Cet album, il a une note. Cette note, elle doit être médiocre. Dans le filter, on trouve donc médiocre. Et donc, écrié, donc cet album, il est créé par un artiste 2. Cet artiste, il doit être un ami proche de artiste 1. Donc, aussi, dans Furkle, on peut aussi on peut utiliser une alpha coupe, donc effectuer une alpha coupe sur les réponses, donc ici la clause 4. Donc sont seules celles qui ont un degré de satisfaction qui est supérieur ou égal à une alpha, c'est-à-dire ici par exemple on a 0,3, qui sont conservées dans le résultat final. Bien sûr, la clause 4 c'est optionnel. Donc, une représentation graphique de ce patron de graphe flou. Donc, on a ici un artiste qui recommande un album. L'album, il a une note médiocre et cet album est créé par un ami proche de artiste 1. Donc,
Donc maintenant, je vais parler de la mise en œuvre. Donc pour représenter ces triplets flous, nous avons utilisé le mécanisme de réification. Donc l'idée est d'attacher des informations sur des informations ici des degrés flous sur des triplets. Donc par exemple ici, on a Shakira est un ami de Maria avec un degré égal à 0,7. Donc avec la réification, on obtient donc on va créer un nœud blanc qui va être lié au sujet, prédicat et objet du triplet, et on ajoute un littéral qui va contenir le degré flou de la relation. Donc le processus d'évaluation de ces requêtes Sparkle consiste à ajouter une surcouche sur le moteur Sparkle standard. Cette couche consiste à un compilateur qui prend une requête Sparkle et qui la traduit en requête Sparkle et qui le retourne, il l'envoie vers le moteur classique Sparkle. Donc, après, on trouve une fonction dépendante à la requête qui calcule le degré de satisfaction de chaque réponse retournée par le moteur standard de Sparkle, et une fonction aussi dépendante à la requête qui classe et filtre les réponses au cas où il y a une alpha coupe. Donc une alpha coupe est demandée. Donc pour résumer, dans ce papier nous avons proposé une extension floue du langage de requête Sparkle pour tout d'abord traiter des données RDF floues et exprimer des conditions floues sur les valeurs des nœuds et des conditions structurelles floues. Donc nous avons défini et implanté un langage Sparkle qui est basé sur la notion de patron de graphe flou. Donc dans nos travaux futurs, nous planifions de mettre en œuvre un prototype avec des données RDF du monde réel comme DPPDA, IMDB, etc. Et aussi, nous visons à étendre le langage Sparkle avec des conditions floues plus sophistiquées comme les propositions quantifiées floues. Et aussi, nous prétendons à introduire dans notre modèle des métadonnées relatives à la qualité, comme par exemple la fraîcheur, la fiabilité, etc. Merci pour votre attention. Information approximée que tu as entre les. Donc ça peut être calculé de différentes façons, mais est-ce qu'il y a un moyen de s'assurer que c'est correct? En fait, ils sont supposés donnés ou calculés. Soit ils sont donnés, soit calculés avec des fonctions statistiques. Donnés par qui? Est-ce que ça peut être les utilisateurs qui. Soit donné à la base, c'est-à-dire un expert qui va donner ses degrés. Parce que ça me fait penser aux bases de données probabilistes, tu vois, où on assise la même problématique, mais il y a des moyens assez précis de trouver cette information. Donc je me demandais si ça pourrait être utilisé là. Ouais. Soit ils sont donnés par un expert. Nous, ce que on intéresse à étendre, on a étendu notre modèle, donc on a dit que les données ils seront données par un expert, c'est-à-dire c'est pas nous où on va les calculer. Par exemple, le degré d'amitié, il va être calculé. Donc c'est le nombre de, par exemple, d'amis en commun sur le nombre total de l'ami de chaque artiste. Ça, c'est assez arbitraire. Ça donne pas une bonne indication. Je me demandais si tout le travail qu'il y a eu en base de données probabiliste, où on va assez loin là-dedans, aurait pu être utilisé. Mais bon, c'est peut-être un peu bon. More questions? Oui. Moi, j'avais une question par rapport à la combinaison des probabilités que tu mettais sur les chemins. Pourquoi le max et le min? Et pas combiné, par exemple, si j'ai un arc qui a une probabilité 1,5 et un arc qui a une probabilité 1,5, soit on considère que c'est indépendant et ça fait 0,25. Ou... J'ai pas bien compris, est-ce que vous pouvez répéter? Si j'ai bien compris, dans les chemins, oui, les probabilités que tu choisis pour un chemin, c'est la plus petite des probabilités. Oui.
Et ma question, c'était pourquoi faire comme ça et pas choisir que, par exemple, toutes les valeurs que tu as sur les données sont indépendantes, la probabilité que ça soit vrai, et du coup, combiner selon la façon indépendante, c'est-à-dire multiplier les probabilités. En fait, pour les propriétés structurelles, nous avons utilisé ça. C'est Rosenfeld qui a introduit ça. Donc nous avons adapté ça aux données RDF. Pour la distance, c'est ça? Vous parlez de la distance. De la probabilité que tu associes... Enfin, tu as des probabilités sur les triplets. Oui. Tu vas en déduire des probabilités sur les chemins. Oui. Et ma question, c'était pourquoi ce choix de faire un min... Pour la fonction de distance, c'est ça? Non? Pour la fonction que tu associes à la probabilité d'une pass expression. C'est-à-dire, si on n'utilise pas le min, qu'est-ce que vous voulez que je... Par exemple, multiplier les probabilités et dire que la probabilité de A à mi-étoile B, oui, ce serait la probabilité du plus grand chemin qui lie A à B, avec la probabilité d'un chemin étant le produit des probabilités des triplets indépendants. Oui, mais... Oui, c'est de théorie. Oui, c'est ça. D'accord. Les informations. Oui, Rosenfeld. Imprécise, oui. Okay, thank you. Thanks one more for the very interesting talk.